toi. Dans l'étude de l'énagramme, qui est un test de personnalité dont je te parle dans d'autres vidéos, on a un cercle, c'est donc un graphique en forme de cercle, dans lequel on a 9 types de personnalités qui sont numérotées, donc la personnalité numéro 1, numéro 2, etc. L'étude de cet énagramme, je trouve ça quelque chose de très intéressant parce que c'est très complet, beaucoup plus que les 5 blessures de l'âme avec Lise Bourbeau ou le MBTI, qui est aussi des tests de personnalité qui sont déjà bien complets. Mais l'énagramme est très intéressant parce qu'il prend les dynamiques qui se passent chez l'individu quand cet individu se trouve en évolution ou en régression, en intégration ou en désintégration. Donc, on a les 9 personnalités sur un cercle comme ceci. Et ce cercle, en fait, va se transformer en cône. Donc, on a toujours les 9 personnalités ici à la base du cercle. Et quand ces personnes vont se trouver dans une situation dans laquelle elles se sentent bien, dans lesquelles elles se sentent épanouies ou elles ont évolué à un autre niveau de conscience, elles vont évoluer, donc s'intégrer, donc aller vers le haut de la pyramide. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que chacune de ces personnalités a une personnalité très marquée en fonction de son profil. Mais plus elle va évoluer dans ses prises de conscience, et plus sa personnalité va s'amoindrir, et plus elle va être capable de prendre les caractéristiques des profils qui sont autour d'elle ou des profils qui lui correspondent à l'intérieur de ce cône. L'objectif ultime, en fait, ça serait d'arriver tout en haut de cette pyramide, qui est un endroit où je ne m'identifie plus par ma personnalité qui était celle-ci, là. Hop, je reprends ma Lilou. Donc avant, je m'identifiais comme étant un numéro 3, par exemple, et donc j'étais de ce côté de la pyramide. Et bien, plus je vais évoluer sur la pyramide, et moins je vais m'identifier avec cette personnalité qui est que je suis un bâton, moi je fais des actions, je suis dans le concret, je montre qui je suis par les actions que je fais, etc. Donc ça, c'est ma personnalité, qui a des très bons côtés et des côtés un peu moins bons. Plus on va monter en fait en niveau de conscience, et moins on va s'identifier à cette personnalité-là. On en a parlé notamment dans la vidéo sur Baptiste Depape, qui à un moment donné a pris conscience que quand on dit « je ne me supporte plus », ça signifie que le « je » et le « me » sont deux personnes différentes. Parce que pour que moi je supporte « je », ou pour que je supporte « me », voilà, il faut que je sois à deux endroits différents, donc c'est un peu étrange. Et donc c'est à ce moment-là qu'on fait la différence entre l'âme et la personnalité. Une fois que tu comprends que ta personnalité n'est pas forcément attachée à ton âme et que du coup ton âme peut être quelque chose d'autre que ta personnalité, du coup tu as le choix de pouvoir changer de personnalité ou te détacher de cette personnalité-là. Et si tu montes donc dans les niveaux de conscience, tu vas arriver à un moment donné où tu n'auras plus besoin d'être identifié avec, à cette personnalité. C'est pas pour autant qu'il faut rejeter cette personnalité-là. Juste, c'est important de prendre conscience que tu n'es pas cette personnalité-là. Cette personnalité, c'est juste un rôle. Alors, par exemple, tu vois, ici, j'ai une Lilou qui joue le rôle de l'artiste, ok ? Qui fait la créativité. Alors que ici, j'ai... Donc, ça serait ici le numéro 4, par exemple, dans les profils de l'énagramme. Alors qu'ici, j'ai une Lilou qui joue le rôle du sportif, en tout cas de la personne qui se bat et qui fait des actions. Encore mieux celui-ci là. Numéro 3 quoi, hein. La personne qui fait les choses. On pourrait dire un numéro 1, etc. Et donc tout ça en fait, c'est des rôles qu'on est en train de jouer dans notre vie. Je joue le rôle de la personne perfectionniste. Je joue le rôle de la personne altruiste. Je joue le rôle du chef dans mon équipe, etc. Donc on a tous ces rôles qu'on peut jouer, mais est-ce que tu es vraiment ce chef? Est-ce que tu es vraiment ce perfectionniste? Est-ce que tu es vraiment cet altruiste que tu dis, ce loyaliste ou ce médiateur? Tu es peut-être une âme qui est en train en ce moment de jouer un rôle. Donc si tu évolues dans les niveaux de conscience, on va arriver à un stade où tout en haut, on va voir la réalité de la même façon que toutes les autres personnes parce qu'on va avoir un point de vue qui est différent. Alors que quand je suis là, j'ai le point de vue du perfectionniste. Quand je suis là, j'ai le point de vue du chef. Quand je suis là, j'ai le point de vue de l'artiste, etc. Donc là, on vient de voir comment je fais si je m'intègre, si j'évolue. Par contre, si je me désintègre et si je vais vers une régression,
Mon rôle va prendre les qualités d'un profil qui se trouve à un autre endroit. Et ça m'amène à agir en mode automatique en fonction de mes blessures. Donc là, on va pouvoir voir tous les mécanismes des masques des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et on va pouvoir voir aussi les blessures d'enfance qui sont étudiées dans l'énéagramme et les grandes peurs de cette personne qui sont les raisons pour lesquelles on a développé des talents. Donc pour ça, je te recommande d'aller voir ma vidéo « Dis-moi quelles sont tes peurs, je te dirai tes talents » parce que vraiment, on voit, on constate à quel point on construit notre personnalité et certains talents en fonction de certaines peurs et traumatismes qu'on a eu dans notre enfance. Je vais pas te donner d'exemple ici parce que sinon la vidéo va jamais finir. Donc voilà, donc en fait, après, on peut pas dire je vais juste évoluer parce que bien sûr, on voudrait tous aller vers le plus haut niveau de conscience, mais on a des jours on fait ça, des jours on fait ça, hein, d'accord ? On monte, on descend, on fait un peu les deux. Donc des fois, je prends les bons traits de caractère de mes voisins et de leur rôle, et des fois, je prends les mauvais traits de caractère d'autres rôles et de mon rôle en particulier. Je trouve que ce con synthétise parfaitement ce qu'on peut avoir dans l'énagramme, dans les blessures de l'âme, dans le MBTI et dans l'évolution dans les niveaux de conscience. Tout est très lié, tout veut dire plus ou moins la même chose. Ça, c'est mon côté ENFP qui ressort. Ah, j'espère que ça a été assez clair. J'imagine que cette vidéo est peut-être pas évidente pour tout le monde. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je t'expliquerai avec plus de précision. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que on est vraiment dans toute une matrice de profils et de réactions qui existent. Alors, est-ce que tous les tests de personnalité ont référencé toutes les données de la matrice, j'en sais rien encore, mais en tout cas, une chose est claire, c'est que nous avons tous des profils types, nous avons tous des réactions types, des réactions automatiques que l'on utilise inconsciemment quand on va bien, que l'on utilise inconsciemment quand on va moins bien, que l'on utilise quand on est en mode normal, mais en même temps, mode normal, ça n'existe pas parce que aujourd'hui, je suis forcément mieux ou moins bien que hier ou que demain. Ça dépend de plein de choses, la vie évolue, etc. Il n'y a pas un seul niveau de normalité. Mais c'est vrai que si on arrive tous à tendre vers une évolution, vers un niveau de conscience plus élevé, vers un endroit où on se sent à l'aise, où on peut être dans cette peut-être bulle d'amour et de confiance en soi, alors on sera beaucoup plus capable de donner le meilleur de soi-même et d'aider les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes aussi. Et du coup, on n'aura pas des gens tarés autour de nous. C'est quand même assez simple, non? Allez. Bon, j'espère que cette vidéo t'aide à y voir plus clair. À bientôt. Ciao, ciao.